descendit du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque Il envoie deux de ses disciples en leur disant Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, Le Maître te fait dire, Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit, prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes de la liturgie de la parole en, en ce dimanche où nous fêtons le corps et le sang euh, du Christ, euh, le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ, sont particuliers. Le livre de l'Exode avec euh, le sang et beaucoup de sang dans l'histoire euh, qui est racontée, c'est comme un vieux rituel, puis euh, Moïse l'approprie, il en fait quelque chose de neuf. Euh, on a, on a lu, on a, on a entendu dans la séquence « L'ordre ancien le cède au nouveau ». Alors, il y a comme un lien intéressant. Évidemment, le, on sait très bien que Jésus, son corps livré, ben, c'est aussi hein, le sang versé. Et euh, il y a toute la réalité aussi de la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux a été écrite pour, pour les Juifs qui connaissaient très bien l'Ancien Testament. Pas tout à fait notre cas. Alors, euh, ça rend des fois difficile euh, la compréhension de cette lettre aux Hébreux. Toute, toutes les comparaisons avec euh, les grands prêtres et puis euh, euh, le sacrifice, hein, Jésus euh, qui finalement est offert en sacrifice. On sait que Dieu dans l'Ancien Testament a toujours refusé les sacrifices humains. Il a comme toléré les sacrifices d'animaux pour un certain temps, comme je ne sais pas si c'était comme une pédagogie de Dieu, mais à un moment donné, on entend hein, vos sacrifices puis vos holocaustes, j'en veux plus. Alors, euh, il y a toutes ces réalités-là dans euh, la liturgie de la parole aujourd'hui qui nous amènent, bien sûr, à, à la page d'Évangile où on rapporte euh, le dernier repas de Jésus avec ses disciples la veille de sa mort dans Saint-Marc, puisque cette année, on est à lire l'Évangéliste Marc. On a entendu ce texte le dimanche de la Passion, c'est hein? fait partie du, de la lecture de la Passion de notre Seigneur. Et aujourd'hui, on entend que cet extrait où Jésus euh, se sert de, de ce repas pascal qui était déjà là. Tout le monde célébrait le repas pascal ce soir-là. Jésus l'a fait avec ses disciples comme il l'avait fait les années avant, les années précédentes. Mais ce soir-là, la veille de sa mort, eh bien là, euh, il y a quelque chose de nouveau qui est donné, il y a un sens nouveau à ce repas. Et euh, Jésus, hein, prenez, ceci est mon corps, prenez, buvez c'est mon sang, faites cela en mémoire de moi. Et, et après la résurrection du Seigneur Jésus, ben, les chrétiens, les chrétiennes, les disciples de Jésus se sont rassemblés pour célébrer le repas du Seigneur. Et c'est ce que l'Église fait particulièrement tous les jours, euh, sauf quelques exceptions durant l'année, comme le, le vendredi saint, le samedi, bon, euh, des jours particuliers, mais on célèbre l'Eucharistie tous les jours en Église, mais particulièrement le dimanche, le jour où on célèbre la résurrection du Seigneur Jésus. Et ce jour-là, les chrétiens se rassemblent et euh, entendent la parole de Dieu, se nourrissent de la parole de Dieu, mais aussi reçoivent le corps, le sang du Christ comme une nourriture pour leur vie, une nourriture pour notre vie ici-bas. C'est le pain de la route. Hein? Et euh, comme je disais au début de la célébration, pour plusieurs d'entre vous, hein, vous avez été privés de ce pain de la route pendant euh, les derniers mois. Alors est-ce que ça... Hein, quand on se prive de quelque chose, des fois, ça fait en sorte que quand on, on le retrouve, il y a une grande joie. Alors c'est ce que je vous souhaite à vous qui avez... Euh, manquer de, de venir célébrer le repas du Seigneur en communauté et de recevoir sacramentellement le corps du Christ. Oui, le Seigneur se donne à nous en nourriture. Ce n'est pas un symbole. Nous croyons, hein, la, la séquence nous l'a rappelé, c'est Jésus qui se donne à nous dans ce pain qui nous est donné. Et euh, ce pain nous est donné. Pour que nous vivions de cette vie de Dieu déjà pendant que nous sommes sur la terre et déjà ça annonce la vie éternelle, c'est le pain de la vie éternelle. Donc cette vie avec Dieu pour toujours, qui euh, qui est notre espérance finalement. Mais en même temps, la présence réelle dans le corps hein, et le sang du Christ qui est une présence réelle dans le pain et le vin, eh bien ça nous est donné pour, euh, pour notre vie. Et euh, on ne peut pas trop euh, détacher ça du quotidien de nos vies. Je dis souvent, on ne peut pas venir communier. Je me dis ça à moi d'abord. Je ne peux pas communier à la table du Seigneur et penser n'importe comment et parler n'importe comment et agir n'importe comment. Je dois chercher, je dois chercher à ajuster ma vie à l'Évangile, à la parole du Seigneur. En même temps, venir communier, ce n'est pas une récompense, parce qu'on a bien vécu notre vie cette semaine. C'est comme des bonbons, là. Ce n'est pas un bonbon, l'Eucharistie, que le Seigneur nous offre parce qu'on est fin, puis parce qu'on a une vie parfaite, puis parce qu'on est don, hein, exceptionnel. Non. Euh, du Christ, le Seigneur nous donne cette nourriture et il la donne à nous qui sommes pécheurs, qui cherchons à vivre pleinement notre vie d'hommes, de femmes, de jeunes, de chrétiens, de chrétiennes. Et cette nourriture nous est donnée pour nous aider justement peut-être à mieux ajuster nos vies à mieux vivre notre vie, cette vie que le Seigneur nous donne en abondance, parce qu'il y a toute cette réalité là dans l'évangile d'aujourd'hui, puis dans les lectures de ce dimanche. Oui, hein, on, on le dit avant de venir communier Seigneur, je suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Beau. Quand il y a l'invitation à venir communier, hein, euh, le prêtre dit heureux. Heureuses les inviter au repas du Seigneur, heureux, heureuses dans le sens des béatitudes. C'est pas chanceux, chanceuse, C'est pas de la chance. C'est à un autre niveau, Dieu qui se donne à nous pour que nous vivions de sa vie. En même temps, l'Eucharistie nous engage les uns envers les autres. Parce qu'on a beau célébrer le corps et le sang du Christ, eh bien, nous croyons que nous sommes le corps du Christ. Puis pas juste nous qui sommes à l'Église, puis vous qui êtes à la maison. Euh, nous voyons dans nos sœurs et dans nos frères la présence du Seigneur, et c'est Jésus qui nous a dit ça. Jésus a dit Chaque fois que vous l'avez faite à l'un de ces petits qui sont mes frères, mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez faite. Chaque fois que vous ne l'avez pas faite à l'un de ces petits qui sont mes frères, mes sœurs, à moi non plus vous ne l'avez pas faite. Oui, sœurs et frères, célébrer euh, le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ alors qu'on est encore en pandémie, alors qu'on n'arrive pas à se rassembler encore pour célébrer. Alors on vit dans l'espérance, on vit, on vit dans cette joie de savoir qu'à un moment donné, on se retrouvera. Mais d'ici là, ça n'empêche pas que nous sommes appelés à vivre de la vie du Christ. Et, et vous avez été nourris, même si vous n'avez pas reçu euh, sacramentellement euh, l'Eucharistie, vous avez été nourris par la parole de Dieu. Vous avez trouvé certainement des moyens de vous unir au Christ, euh, de vous unir à Dieu, Père, Fils et Esprit, dans les derniers mois. Le Seigneur euh, est pas distrait. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions trouver les moyens pour rester branchés, hein? branchés à lui. On a eu ça euh, il y a quelques dimanches euh, en fin de temps pascal. Hein? Je suis la vigne, dit le Seigneur, vous êtes les serments. Que l'Eucharistie nous donne de rester branchés sur le Christ, que la parole de Dieu nous nourrisse pour que nous puissions vivre de sa vie. Oui, remercions le Seigneur. Hein? Alors qu'on célèbre l'anniversaire de la dédicace, de la consécration de notre Église paroissiale ici à Sainte-Marie aujourd'hui, bien, ça nous rappelle que, oui, nous sommes le corps du Christ, nous sommes les pierres vivantes qui construisent le temple spirituel et que, par notre vie de chaque jour, on est appelé à témoigner de cette présence réelle du Seigneur, oui, dans l'Eucharistie, quand il se donne à nous en nourriture, dans son corps et son sang, mais aussi cette présence réelle du Seigneur dans nos frères et nos sœurs, ceux et celles particulièrement que le Seigneur met sur notre route. Que nous puissions reconnaître le Christ, oui, à l'Eucharistie, mais aussi dans le quotidien de nos vies, dans notre vie de chaque jour. C'est la grâce que je nous souhaite en cette fête du Saint Sacrement, du corps et du sang du Christ.